fanatique TV la kayhaiti.com yo, gros bonjour et bonsoir pour nous tous. Jeudi, c'est jeudi et c'est 1er février 2024, mesdames et messieurs, et n'a avancé pour 7 février qui a venu là, qui c'est dernière date pour Ariel Henry, incompétent, incapable, pas utile, vaut rien. Ça, et bien lui-même quitter tête pouvoir, quitter tête pays. Dans le moment où on a parlé là, il faut que nous disions, bataille là, vraiment. Donc, je yon lot et donc rafale dimension qui ajoute là-dedans, parce que moi, Jean-Charles, nous connaît qui c'est ancien sénateur pays qui profite des moments ça pour sortir zèle tout dans même révolution Guy Philippe là. Et bien, nous allons inviter autant de qualité action, moi, Jean-Charles lui-même, lui poser dans pays. Eh bien, 7 février qui a venu là, c'est date ça, Ariel, monsieur doit retirer col. Et si monsieur pas tendu la raison, si monsieur pas voulu faire ça que la population m'a dit, bah, elle a grave pour lui, parce que dans la même vidéo, ça, nous allons inviter, ouais, garder et tendre déclaration divers avocats qui ont même porté plainte contre Ariel dans le paquet pour le prince, mesdames et messieurs. Eh bien, comme nèg qui fait crime contre l'humanité et pour dossier assassinat, Jovenel Moïse, 6/7/2021, qui était passé. Et tout le monde connaît date ça, nous pas jamais oublier là, parce que c'est date ça nèg retiré la vie, ti nèg nou a tête graine pareil nous, nèg si au Libanais mêlé ak politicien dans pays a et ak étranger met tête ensemble yo retiré la vie Jovenel Moïse. Et bien dans vidéo ça, mesdames et messieurs, nous pral faut tendre déclaration avocat ça qui a même décidé là. Fok Ariel, monsieur bay tête pays, et fok Ariel, monsieur prend code, parce que monsieur fait trop crime contre l'humanité. Haïtien, haïtienne, levé campé 7 février pour nous retirer et mauvais grain ça parmi nous, parce que Ariel Henry, c'est pas nèg qui t'a droit à diriger un pays, parce que même lui, Ariel pas kali, hein? Si on est qui insensible, monsieur pas kè pour la vie moun, et c'est là, bagala compliqué pour Mister Ariel Henry. Pour plus de détails, en temps de causer. Parce que Ariel, monsieur, n'a problème. Jean-Charles, ils font buzz donc sur les réseaux sociaux, ils font tolé pratiquement dans le pays. Une telle déclaration, et je crois que l'ancien député Jean-Talbert Alexis est venu sur ça lors de sa dernière intervention à l'émission Matin Débat. Déclaration, ça va pas t'adouer tout encore pratiquement dans le pays. Parce que nous, qui dégâts que les déclarations sont faites à pays, et nous, côté le mené pays à tout. Donc, déclaration ça a tout, ce n'est pas déclaration qui doit venir, en fait, ce n'est pas déclaration d'un leader responsable, madame, monsieur. Là, nous clés sur lui, nous clés là-dessus. Donc, nous ne pouvons pas tout l'argent de déclaration ça a tout. Question de craser pays, bouler pays, mettre pays ensemble. Faut que Jovenel Moïse allez. Quitte nous craser pays, monsieur. Quitte nous craser pays. Donc, faut que Jovenel allez. N'a bouler pays, mettre du fait, craser et briser. N'a boule pays a parce que faut Jovenel Moïse aller nous pas qu'à tourner ça je dis donc n'a boule pays a n'a crasé pays a n'a fin à pays a parce que faut Ariel Henry aller. Mais en fait quelque part comme si on matin débat il faut qu'aller entre les lignes. Il n'est pas d'habitude de chez moi Jean-Charles pour gagner genre de discours ça yo. Ça c'est pas discours moi Jean-Charles madame monsieur. C'est pas discours, Moïse Jean-Charles. Donc, cependant, sous-tendez Moïse Jean-Charles arrivé dans le point ça, c'est parce que justement, il y a une information que Moïse Jean-Charles a gagné et que l'obligé d'aller à l'extrême. Vous comprenez bien, madame, monsieur? Donc, Moïse Jean-Charles a gagné une information que il va l'arrêter, il va arrêter, ou bien qu'on complote sous lui pour éliminer, est-ce qu'on l'a? Et puis, il pèse pied sous l'accélérateur pour lui montrer que lui-même tout, il va aller plus loin. Que tu es capable de penser que le dégâle. Ou bientôt, par ricochet, est-ce que c'est pas Guy Philippe qui fait peur, que il sentit Guy Philippe prend le leadership là dans même, parce que lui-même, il était considéré être comme et le pic de la Mirandole, comme moun qui est le plus gros leader dans le pays. Est-ce que pas ça? On a lui pesé sur l'accélérateur pour aller plus loin que Guy Philippe, son base quelconque. Ça, c'est considération de l'affaire. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Et c'est pas ça. Très bien. Ou bien tout. Et c'est pas divers sur l'affaire. Il y a ça aussi. Parce que, connaissant Moïse Jean-Charles, il y a 2 ans combien de temps là, Moïse Jean-Charles, tout le monde qui a compris que l'abjira fait pâle dans le niveau pâle. Et c'est lui qui comprend qui est-ce qui Moïse, qui est-ce qui Jean-Charles. Très bien. Non, c'est clair, c'est clair. Parce qu'on va pas oublier que
L'on leader, nous tous disons ça dans l'émission de débat. L'on leader font une déclaration. Il faut chercher qu'on ait ça qui gagne des déclarations. Ça qui cache des déclarations. Donc elle dit que, l'éclair. Pour le voir, il n'a pas parlé. J'en dis là, ou bien que certains mots chercheurs connaissent que le bagaille qui plane sous tête, qu'on complot que qu'a préparé pour lui, ou bien qu'on est que il va l'attaquer, puis assassiner, ou bien qu'on est que il va l'arrêter, et lui-même, il va répondre. Donc, il a pesé sur l'accélérateur pour dire que, ok, quitte pays à qui pour caser, donc un nous gourmet pour mettre Ariel dehors, lui-même l'a monté, donc il y a un consul. C'est pas discours, sénateur Moïse Jean-Charles. D'ailleurs, nous connaissons déjà sénateur Moïse Jean-Charles, donc dans le discours, il y a un discours qui est très révolutionnaire. Mais pas jamais arrivé dans le point ça. Donc si vous arrivez dans le point ça, donc il faut chercher qu'on est sa guindelle. Et chaque nous dit là, le capitaine c'est diversion, le capitaine c'est parce que les besoins montrer que. Il y a leadership là toujours. Ou bien peut-être, justement, j'ai un dit là. Donc, il connaît que il y a un complot et qui va évoluer. Il connaît que il y a un complot pour assassiner. Il connaît que peut-être il va arrêter. Il connaît peut-être que donc, il y a une phase côté il est capable de arriver, donc éliminer. Donc, lui-même, il pèse le pied donc, sur l'actuel. À la différence, c'est celle leader là. Il faut que nous disions tout. À la différence, c'est celle leader là tout. Et il n'y a pas de sanction contre lui. Oui, okay? Oui, justement. Dans toute l'idée, il n'y a pas de sanction contre lui. Il a seulement coupé le visa. Non, peut-être qu'il a connu tout. Attention, ça a fait une fonte de conciliation importante. Bien sûr. Moi, Jean-Charles, c'est une, si on va dire, une leader, dans toute l'idée que tu es campé en face de Jovenel Moïse, ou tu as pas de sanction contre lui. Ok, il n'y a pas reproché le 1, mais seulement il a coupé le visa. Très bien. Sur une base quelconque, les États-Unis d'Amérique. Peut-être qu'il a connu que il n'y a pas de sanction contre lui tout. Non, d'accord. Est-ce que parole ça tout? Monsieur, est-ce que Paul Sato le dévoue la peine, vous le dites, les soldats vont le dire? Non, est-ce que Paul Sato pas qu'à justifier une sanction contre lui? Monsieur, bon, bon, m'essayer pour ton point de vue. Là, quel que soit ça, ou ce dit là, le coup désir, est-ce que c'est pas parce que le gon, on t'y flit comme quoi, il n'y a pas l'arrêter, comme quoi, il n'y a pas le faire, si il n'y a pas le faire, ça, il fait le dire ça. Et excède langage ça dans discours Moïse ça là moi même moi pas retrouver là-dedans. Non, c'est clair, personne. Il y a deux raisons. Et nous connaissons peuple haïtien, c'est un peuple qui est émotionnel, ça c'est un. Dans le moment où il est là, nous besoin faire tout ça nécessaire pour nous sortir là-dedans lui. Mais aller jusqu'à dire craser pays, on pas connait si son métaphore, on pas connait, c'est peut-être Moïse Jean-Charles qui capable expliquer ça le t'a dit. On pas retrouver là-dedans parce que nous prenons un discours ça déjà. Et nous parlons rien. Moun qui t'a créé ou des discours ça ou fait. Comme moun qui t'a participé dans l'assassinat l'ex-président Jovenel Moïse. Ariel Henry. Ariel Henry. On va pas pousser de même. Non, sécuriser
conformément à la loi. Vous êtes ça même, nous portons plainte contre Ariel Henry pour usurpation de titre. Parce que non seulement monsieur a installé illégalement dans la primature, mais il a posé des actes qui relèvent de la compétence de chef d'État, conformément à l'article 56 de la Constitution. Nous portons plainte contre monsieur a pour association de malfaiteurs. Parce que nous venons découvrir que monsieur a l'idée connivence avec des gangs armés. C'est peut-être ça, nous-mêmes, avocats, nous-mêmes qui défendons collectif, parti politique, avec toute organisation qui aurait dans le cadre de mouvement ça, nous portons plainte contre le nommé Ariel Henry pour que le commissaire gouvernement mette l'action publique en mouvement. Comme nous connaissons le commissaire gouvernement, nous connaissons que c'est un agent de l'exécutif là. Cette même plainte sera déposée par devant le cabinet d'instruction. Parce que devant le cabinet d'instruction, depuis Ariel Henry Paparet, juge d'instruction, il y a des provisions légales, des provisions constitutionnelles, des provisions pour que vous décerniez un mandat d'amener contre Ariel Henry pour usurpation de titres et de fonctions. Fausse qualité, trahison, délit politique et association des malfaiteurs. Pour ça, nous demandons à la presse accompagner nous. Nous demandons à la presse accompagner nous dans le greffe paquet de bois au Fresla pour nous capables de déposer plainte ça conformément à la loi. Merci beaucoup. Prête, t'as coûté toute prête. T'as coûté toute prête. Non, vous faites partie du service. 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 Non. Vous faites partie du service. C'est en prête, t'as coûté toute prête contre citoyen. D'accord, merci. Non. Vous supposez recevoir. Vous supposez recevoir, mais son prêt, comme tout prêt est lié. Mais d'accord, mais l'autre du prêt est lié. Regardez. Non. Il n'existe pas de prêt simple ni de prêt composé. Son prêt qui a proposé, qui a déposé. Non, mais c'est pas un problème. N'ayez pas peur, c'est la loi. C'est la loi. Vous recevez la plainte comme tout à fait. C'est usurpation de titres et de fonctions, non-assistance à personne en danger, assassinat, tentative d'assassinat avec commencement d'exécution, crime de haute trahison, conformément aux prescrits de la Constitution, les conventions et les lois républicaines. Malheureusement, nous venons déposer plainte là. Un, gagner un agent de sécurité qui fait obstacle avec plaignant. Deux, agent et responsable paquet refuser recevoir plainte là. Non, mais nous, parce que c'est pour Ariel Henry, nous venons déposer, contre Ariel Henry, nous venons déposer plainte là. Et même journalistes font objet d'actes d'agression physique. Nous dénonçons fermement. Et nous prenons responsabilité pour nous dire que nous allons déposer plainte ça, pas devant le cabinet d'instruction, par le fait que le commissaire du gouvernement, c'est le monde qui était avec le gouvernement. Et nous avons déposé plainte ça, nous avons demandé à l'administrateur tribunal là pour prendre responsabilité. Pour le bailler un juge qui a caractère, qui a capacité, qui a compétence pour que il mène l'instruction à bon port. Parce que il y a trop de crimes qui fait dans le pays. Parce que il y a trop de misère dans le pays. Il y a trop de dégâts faits dans le pays. Et Ariel Henry et son équipe, pas Jean Pipe mort. Eh bien, nous-mêmes, nous prenons responsabilité, nous, devant l'histoire, devant la vérité, devant le peuple haïtien, pour que nous déposions plainte formelle et nous mettons la justice haïtienne devant un fait accompli. Nous mettons la justice haïtienne face à responsabilité pour nous capables de suspendre avec vagabondage, avec criminalité, avec vol, avec pillage, avec paupérisation dans la société haïtienne. On
n'a fait yo connait gen moun nan pays a gen moun ki konn la loi gen moun ki maîtrise les dispositions constitutionnelles et c'est sous base ça nous déposer nous vinn déposer plainte et tu même n'a dénoncé comportement commissaire gouvernement monsieur Elnor Guillaume. Monsieur Elnor Guillaume qui est pas fait Elder Guillaume. Monsieur Elder Guillaume qui est pas fait histoire par cœur. Monsieur Elder Guillaume qui est pas fait jurisprudence par cœur. La liberté d'expression est garantie par la Constitution. Et ici là c'est la maison du droit. C'est la maison des avocats. Nous avons le droit pour nous parler. Nous avons le droit pour nous exprimer nous librement par devant qui de droit. Nous qui doit pour l'exprimer nous par devant la presse. Aujourd'hui, nous venons déposer plainte contre le nommé Ariel Henry pour usurpation de titre et de fonction fausse qualité, pour trahison, pour association malfaiteur et pour délit politique. L'éclair, nous tout capables ça aujourd'hui. Nous capables. Il y a kidnappé, même madame Sarah, il y a kidnappé dans le pays. Ça sont des choses qui sont graves que liées. Ça arrive trop loin. Ils n'ont pas attaqué les machins. Ils ont attaqué les étudiants. Ils ont attaqué les élèves de l'école. Ils ont kidnappé les avocats. Ils ont kidnappé les ingénieurs. Ils ont kidnappé les docteurs. Jodi, ils ont kidnappé madame Sarayo. Nous venons constater que Ariel Henry est de connivence avec les bandits. Il est de connivence avec les bandits. Comment se fait-il qu'elle choisit pour révoquer le directeur de Sapla? Comment se fait-il qu'elle demande pour agent de Sapla déshabillé pour retirer sa nom? Il y a un complot contre le peuple haïtien. Oui, il y a un complot. Son façon pour ne qui gagne mieux, ne qui gagne ça mieux légalement meilleur, plus capable de prendre terrain. Et ça que je dis à nous que pays a dirigé par un hors la loi, par un criminel notoire. C'est ça que je dis à nous porter plainte contre Ariel Henry pour association de malfaiteurs. Nous porter plainte contre lui pour trahison. Pour trahison, parce que comment de trahison? Parce que comment Ariel Henry fait installer propre tête lui en dedans primatie? C'est contraire à la Constitution. C'est contraire. Et on dit, il a bruit que son tweet qu'elle recevait de l'étranger sous réserve de certaines considérations légales. Parce que la Constitution a dit c'est à peine d'expulsion. Si toutefois ça t'a fait, c'est à peine d'expulsion, conformément à l'article 55.6 de la Constitution. Donc je dis, nous portons plainte formelle contre Ariel Henry pour que la justice saisisse. Et comme nous voyons que employé par Kayo Antijan par le soir maintenant, nous sommes capables de faire par voie judiciaire et cette même plainte sera déposée par devant le cabinet d'instruction. Parce que devant le cabinet d'instruction, pas de route, pas bois. Pas de route, pas bois. Conformément aux articles 15.7 de la Constitution du Code d'instruction criminelle. Si Ariel Henry n'est pas fini, le même cabinet d'instruction juge la provision légale pour le courrier arrêté. Capé ça. Mettre là. On a les mettre. Qui est-ce qui va l'autre là? Qui est-ce qui va l'autre là?
Nous avons responsabilité devant l'histoire, devant la vérité, pour nous déposer une plainte formellement au parquet de Port-au-Prince contre le nommé Ariel Henry.